C'est à vous la suite à notre table ce soir. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Je ne veux pas vous interrompre, cher Jean-Pierre. Vous disiez ? Non, je disais qu'on nous appelait souvent les Jabacs. Vous adorez cette expression. Mais hyper inconstant. Non. Et vous aimez beaucoup d'ailleurs. Alors, on adore et à chaque fois, justement, on le redit pour que ça continue. Quoi. Eh bien, le message n'est pas passé et on continuera à vous appeler comme ça. Comptez sur nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à dîner pour parler de Place Publique qui sort mercredi prochain en salle. Votre 9e collaboration, en tout cas à l'écriture du film réalisé par Agnès. Au menu ce soir, chère Éléonora. Alors oui, il y aura ce soir une parmigiana d'aubergines et courgettes qui ressemble un tout petit peu au volet d'une fenêtre, en fait, voilà. Donc il y a des différents niveaux. Ah, alors là, il y a plein de niveaux. Et en fait, chez Maxime, il n'y en a plus parce qu'il a déjà, terminé. Mais ça a l'air délicieux. Vous confirmez, c'est bon. Je confirme complètement. Agnès confirme encore plus que moi, j'ai l'impression. Oui, il me reste pas beaucoup non plus. Place Publique, c'est une critique assez féroce de la télévision, mais pas que. La société actuelle, jeuniste, hyper connectée, dépendante de son téléphone portable. Vos personnages ont tout le temps un téléphone dans les mains. Contrairement aux gens dans la rue. Oui, c'est vrai. Mais la productrice va plus loin. La productrice de Castro, le personnage que vous incarnez, elle a carrément une oreillette en permanence. Elle a fait vachement bien. Léa Drucker, est-ce qu'elle va lâcher son oreillette ? Non, elle fait tout avec un téléphone dans la main et une oreillette dans l'oreille. On regarde la bande-annonce. À part ça, t'as vu ce qu'on prend dans le bouquin de Nina ? À cause du postiche ? À cause du postiche, oui. C'est une caricature. Ta jalousie, là, cette parano tout le temps, ça m'épuise. Quand on vivait ensemble, tu me trompais avec la terre entière et ça t'a jamais posé de cas de conscience. Petit sourire ? C'est ce que je suis en train de faire. Samantha ! Elle est chiante, hein, cette patronne. Non ? Tout le temps sur mon dos. Dites donc, vous, faut vous remuer un peu. Oui. Tu veux pas m'enlever cette histoire de postiche ? Papa, oui. C'est ma vie privée, quand même, putain. Tu balances ma vie privée sur la place publique. Toi qui passes ton temps à étaler la vie des gens dans les moindres détails, c'est quand même gonflé. L'idole d'un traité. Bah, ça t'a pas plu, ça, hein ? Non, moi, je suis l'idole des jeunes, toi, t'es l'idole des vieux. Pourquoi il insiste comme ça avec Yves Montand ? Parce que personne n'a jamais osé lui dire qu'il l'imitait pas si bien. Putain ! C'est Jean-Paul, là-bas. J'ai vieilli comme ça, moi, aussi. Mais tu te rends compte qu'ils m'ont proposé la carte senior, ces enculés. C'est un peu l'impression que ça fait la première fois. C'est vrai ? Vous avez envie d'insulter la peinture ? Enfin, on a envie de le raconter comme ça. Mais je ne l'ai pas encore eu. Moi, je l'ai pas encore eu. Ah, ça y est, tu l'as eu ? On l'a fait. Moi, j'ai peur dans les cinémas. Je sens qu'on va me le faire au cinéma. Vous avez la carte senior ? Donc, Place Publique, c'est l'histoire d'une pendaison de crémaillère dans la nouvelle maison, à une heure de Paris, de la productrice de toujours de votre émission, qui est jouée par Léa Drucker. Mais c'est, comme on dit au théâtre, une comédie dramatique, unité de temps, unité de lieu, du début à la fin de la soirée, avec plein d'histoires de chacun des convives, vous, votre ex-épouse, et votre fille, qui sort un nouveau roman, votre chauffeur, votre compagne, l'équipe de votre productrice, Léa Drucker, son compagnon si pittoresque, une vedette de YouTube, que visiblement la productrice garde au chaud. Et puis son club de fans aux youtubeurs. Puis un voisin, puis deux voisins. Il y a un vernis qui craque, des tensions, carrément des drames qui se nouent. Certains s'en fichent, d'autres s'en émeuvent. Avec plein d'histoires de chacun. Certains s'en fichent et certains s'en émeuvent. C'est écrit avec une précision merveilleuse, dans le sourire comme dans l'ourlet psychologique. Je parlais de théâtre, mais votre 9e film, plus que jamais, c'est du grand cinéma. La réalisatrice a particulièrement soigné l'image, signée Evangelo. Ouais. Et quand on vous est fidèle depuis toujours, on retrouve ce qui nous touche depuis toujours, ce piqué délicat des caractères et des mots. Votre Place Publique, c'est comme un livre de Modiano ou un disque de Dylan. On retrouve tout ce qu'on aime et pourtant, c'est tout neuf. Comment résister ? Que dire ? Aller le voir, quoi. Ouais. Ouais, bah, aller le voir. On a envie, même moi, j'ai envie d'aller le voir. Alors, c'est gagné. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler, d'évoquer un animateur de télévision et pas un producteur de cinéma, un acteur ?
Parce qu'il y avait... Parce que c'est quand même le métier qui symbolise le mieux un pouvoir que confère la célébrité, entre autres, avec un... qui est en totale contradiction avec le avec son savoir-faire, oui, avec son oui, avec l'art, avec son talent, produits. Avec son enfin voilà. Il a un pouvoir disproportionné par rapport à son oui, talent. Oui, c'est-à-dire qu'il est ni grand chirurgien ni il sauve pas de vie. Ouais. Il fait pas spécialement de l'art. Il a un pouvoir fou. Aperçu. Donc il est très désagréable aussi. Il pense à quelqu'un dans la vie, dans le film. Dans le film, oui. Ah bah si. Oh, on s'attache à lui quand même. Oui, il est agréable, oui, on s'attache, mais c'est un enfoiré oui, de première. Quand même. C'est un enfoiré. Voilà. Oui, oui. Bon, oui, c'est une merde humaine. Voilà. Moi, je me suis attachée à une merde humaine. On s'attache, non, mais bien sûr, voilà, il a des failles, et justement, il se voit vieillir, il y a quelque chose d'un petit garçon perdu, et donc ça... Et il ne s'aime pas, ce qui le rend attachant. Ouais. Et il est sur le déclin, ouais. Surtout. Il invite dans son ce émission. Qui rend attention. Il invite dans son émission des célébrités pour leur faire parler de leur intimité. Mmh. Exactement le genre d'émission qu'on imagine que vous aimez, non? Voilà, c'est ça. On s'est dit, tiens, parlons des animateurs qu'on aime. Mais vous pensez à quelqu'un? Et comme il y en a quelques-uns. Non, il y en a pas mal. Hein, mmh. Il y en a pas mal. Il y a pas mal des animateurs qui aiment bien fouiller avec leurs petits bâtons dans le caniveau, tout ça. C'est, oui. c'est un petit truc qui est courant. Vous avez oui. Voilà, puis le politiquement incorrect aidant, les gens se lâchent et montrent du doigt, stigmatisent et se moquent. On vous entend au début du film être interviewé par un journaliste putain de lèche-cul. Vous en avez rencontré beaucoup, des journalistes. Bah, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire quand on a beaucoup de succès, ils sont plus obséquieux que quand on n'en a pas, mais ça, c'est pas que les journalistes, hein, franchement. Mm. Puis, on n'en a pas après les journalistes non plus. Hein. Oui. Quand même. Oui. Alors Castro, votre personnage, il est donc ultra nombriliste, il est obsédé par la chute de ses audiences, par la chute de ses cheveux. Votre fille a écrit un livre dans lequel elle... Oui, elle me décrit sur quatre lignes. Oui, sur quatre lignes, avec un postiche, en tous les cas, ce qui vous rend malade. Contrairement à vous, Agnès, qui vous passez votre soirée à essayer de caser l'interview d'une Afghane à votre ex-mari, qui est donc Castro. Est-ce que... Elle vous ressemble un peu, cette femme, dans la vraie vie? Cette forme d'engagement? Oui et non. Jusqu'à présent, ce qu'on m'écrit me ressemble. Donc, en fait, ça fait 9 scénarios que... Enfin, voilà, sur les 9 films, vous pouvez avoir une idée de ce que je suis. Il n'y a pas de contre-emploi, quoi. Alors, à propos d'engagement, pas encore. Vous étiez l'une des signataires de Libération, de la tribune dans Libération, il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Maintenant, on agit. C'était en février dernier. Voilà, c'était important pour vous de vous associer à ces actrices, à ces réalisatrices. Il y avait aussi des humoristes pour dénoncer... Sur MeToo enfin, sur exactement, c'est pour s'engager contre les violences sexuelles et dénoncer aussi les dérives d'un milieu, en l'occurrence les médias. Il y a plusieurs luttes à mener. Mmh. Et bien sûr que c'est... Je dirais que je les mène toutes. Enfin, et celle-là en fait partie, voilà. Vous êtes en lutte. Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien. Excusez-moi. Alors, le film, si je ne me trompe pas, commence sur une phrase. Enfin, on entend une phrase de Jean d'Ormesson. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, on est en lutte. Elle n'est pas en lutte. Enfin, excuse-moi. Hein, mais... Je t'en prie. Dis-moi. Parce que vous êtes en lutte, ça a tendance à ranger un truc dans un tiroir alors qu'elle n'est pas en lutte, elle est vivante. Mm. Et il se trouve qu'elle est humaine et que plein de choses la touchent. Quand ce n'est pas les femmes, c'est autre chose. Mm. Car c'est pas aux femmes d'être féministes et aux Arabes d'être contre le racisme. Moi, je suis contre le racisme et je suis féministe sans être une femme et j'aurais pu signer cette tribune, absolument. Mmh. Alors, le film évoque cette phrase de Jean d'Ormesson. Si t'es pas de gauche à 20 ans, t'as pas de cœur. C'est que t'as pas de cœur, oui. Si t'es pas de droite à 40 ans, c'est que t'as pas de tête. J'aime beaucoup cette phrase. J'imagine que vous n'êtes pas totalement d'accord. Non, je ne suis pas du tout d'accord. C'est une formule. Comme souvent les formules, ça réduit un petit peu l'intelligence du bonhomme. Mais, voilà. Mais la formule, elle mérite de s'aggraver. Oui, de raconter quelque chose. Vous, c'est un film que vous avez écrit, me semble-t-il, en période préélectorale. Mmh. À cette époque-là, Marine Le Pen triomphe. La gauche sombre. Macron n'est pas encore arrivé. C'est une période où vous étiez particulièrement inquiète. Au moment d'écrire ce scénario? C'est une période où j'étais inquiète. Il y a une petite accalmie, mais je reste inquiète. Et le fait que, d'ailleurs, ce soit une fête,
il y a cette idée qu'on danse sur un volcan. Quoi. Il y a cette idée. Souvent, quand je vois des émissions ou des documentaires ou des films même qui sont dans les années 39 ou 38 ou 33 même, je me dis, ils savent pas encore ce qui va leur tomber sur la gueule. Et pendant de nombreuses années, j'ai cru très naïvement que ça ne se reproduirait plus jamais, et je ne le pense plus. Ça fait un certain temps que je me dis, mais attends, je suis tellement con. Évidemment que ça risque de se reproduire, évidemment que, comme le disait Bernard-Henri Lévy tout à l'heure, les fachos et les connards, il y en a toujours eu, enfin bref, et c'est cyclique. Et donc, cette période m'a paru particulièrement dangereuse, et puis avoir beaucoup de points communs avec justement la grande crise, enfin de 29, etc. etc. La montée des populismes. Voilà, une recrudescence de dictateurs en herbe, pour ne pas dire accomplis. Quand on pense à ce que c'était il y a 10 ans, quand on voit maintenant Erdogan ou le Polonais, ou l'Europe Hongrois, l'Est, ou notre ami Trump, tellement politiquement incorrect, délicieusement incorrect, ou Bannon qui dit qu'il faut être fier d'être raciste. C'est des choses qu'on n'entendait pas et qu'on commence à entendre. Et je dis souvent que si on veut vraiment réussir complètement le politiquement incorrect, il faut arriver à Je suis partout, autrement ce ne sera pas réussi. Là, ce sera franchement bien. Je veux dire, quand on aura le droit de montrer des gens du doigt, et d'inciter à la haine et de leur dire ratonner dans les rues, là au moins, les tenants du politiquement incorrect sont fous de joie. L'un des sujets abordés dans le film, c'est l'âge, la vieillesse. L'animateur Castro, il est poussé vers la sortie parce qu'on veut y mettre un plus jeune que lui, plus performant. On regarde un extrait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous faire plaisir, qu'il couche avec des filles de votre âge? Une femme jeune, c'est plus sexy. Oui, je trouve ça normal, qu'est-ce que je te dise. La jeunesse, c'est beau, c'est bien. Et la vieillesse, c'est déprimant, voilà. C'est tout. Parle pour toi, hein. Tu dis ça comme si c'était une loi universelle, mais pas du tout. Moi, je sais pas ce que je voudrais avec une fille de 20 ans, je saurais pas quoi lui dire. Mais qu'est-ce qu'il demande de lui dire, quoi que ce soit? La jeunesse, bordel, c'est désirable, ne sois pas hypocrite. Qu'est-ce qui vous inspirait dans ce thème-là sur, et puis ce discours qui n'est pas du tout politiquement correct, mais enfin bon, après on lui... Mais non, mais c'est lui. On lui oppose derrière. C'est le roi du monde là-dessus. L'âge, c'est une inquiétude. Il dit d'ailleurs, quand on vieillit, on atteint une sorte de sérénité. Une phrase, je crois, que vous avez vraiment entendue à la radio et qui vous a fait rire, Agnès. Tellement c'est tellement faux, quoi. Oui, elle sait que je ne suis pas serein, oui. C'est compliqué de parler de la vieillesse et du fait de vieillir. Parce qu'effectivement, on a tout. Ça ressemble d'ailleurs aux photos qu'il y a sur Internet. C'est-à-dire qu'on montre tous du bonheur et de la satisfaction de sa vie. On met pas des photos de nous en train d'être complètement déprimés tout seul devant sa boîte de thon. En général, c'est quelque chose de. Et je crois que par rapport au fait de vieillir, on a envie de faire pareil. Un peu, enfin voilà, de montrer que c'est super et que c'est pas grave et que je me trouve beaucoup plus belle maintenant qu'avant, etc., etc. Mais c'est pas toujours vrai. Voilà. Vous aviez joué la... Et puis c'est une épreuve, de toute façon, vous tous qui y arriverez... J'y suis déjà. Toi qui y es déjà, on sait que c'est une épreuve, mais c'est pas une épreuve terrible et... Insurmontable. Et au point de se suicider, la preuve, on est encore là, mais on est bien obligé de s'apercevoir qu'on est exilé de sa jeunesse et que c'est le pays où on a toujours vécu, on est né dans la jeunesse. Donc tout d'un coup, à un moment, vous sentez que vous êtes plus... vous êtes exilé dans le club. Exilé de sa jeunesse, mais pas de sa profession. Ce qui est le cas pour ce Castro, ce qui n'est pas forcément le cas. Bah, on n'en voit pas beaucoup, des vieux à la télé, quand même. À la télévision, oui. Non, mais ils sont vite remplacés, quoi. Et des vieilles, alors. Et des vieilles, n'en parlons pas. Les femmes d'un certain âge, encore moins que les hommes, ça c'est sûr. Oui, voilà. Mais ce qui n'est pas le cas au cinéma. On se souvient de votre film dans Aurore, où vous incarniez justement le passage difficile de la cinquantaine, très joliment, et la façon dont il fallait résister à la façon dont la société veut vous ranger, vous mettre de côté, de vous empêcher d'exister, de continuer à vivre. Oui, c'est le thème du film, mais c'est pas vrai dans la société. Et c'est pas vrai non plus d'ailleurs, ni au cinéma ni au théâtre. À part quelques actrices qui s'en sortent, elles sont beaucoup moins représentées que les hommes. Et qui s'en sortent à quel prix? Pas bon. Non, je parle des acteurs et des actrices. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On trouve plein de comédiens ou de comédiennes que vous connaissez, pour certains depuis le cours Florent, pour d'autres avec qui vous avez joué. Kevin Azaïs, vous jouiez avec lui dans Le sens de la fête. Sarah Succo, elle était avec vous dans Aurore. Hélène Noguera, vous avez chanté avec elle, etc. Et puis Léa Drucker, il y a quelques mois,
L'année dernière, elle a repris avec quel brio des rôles importants dans Un air de famille et dans Cuisine et dépendance. C'est romanesque, ces relations que vous entretenez comme ça avec toutes des comédiennes et des comédiens depuis 4, sur 4-5 projets, 15 ou 20 ans. Et Cyril et Karim ont rencontré Léa Drucker et ça a été l'occasion pour elle de nous dévoiler son premier roman. Oh bah ça alors. Théâtre, séries télévisées, cinéma, Léa Drucker est partout. Et aujourd'hui, elle est à l'affiche de Place Publique, le dernier Jaoui Bakri. D'ailleurs, elle s'est inspirée de ce duo mythique pour créer un héros inédit. C'est son premier roman. Je m'appelle Léa Drucker et donc j'ai le plaisir de vous présenter ce premier roman. J'ai un peu le trac d'ailleurs, première fois que j'écris un livre. Sur un personnage, une rencontre. C'est un personnage qui m'a inspiré ce roman. J'arrivais pas à trouver d'autre chose à dire. Donc c'est un livre sur le Jacquerie. Le Jacquerie, c'est un personnage qui m'a passionnée. Voilà, un personnage hybride, plusieurs têtes, pas physiquement, mais qui évoque le masculin, le féminin. C'est un personnage militant, un personnage très féministe, le Jacquerie. Un personnage de conviction, mais qui n'est pas donneur de leçons pour autant. Le Jacquerie a beaucoup d'écoute, est ouvert à la discussion. Il faut avoir, faut être capable d'argumenter, par contre. Parce qu'au début, on peut être un peu impressionné par le Jacquerie, on peut être un peu intimidé. Vous dites, ah bah moi j'ai adoré Mystic River de Clint Eastwood. Alors là, le Jacquerie peut aller chercher son cheval de bataille. Il y a tout un débat sur le Clint Eastwood, facho, pas facho. C'est un personnage très festif, joyeux, très pessimiste. Alors que le Jacquerie est un grand artiste. C'est quelqu'un aussi qui a le sens de l'amitié, qui a le sens de la loyauté, qui a en même temps d'une grande pudeur. J'ai jamais vu par exemple le Jacquerie s'énerver. Par contre, j'ai toujours senti qu'il fallait pas l'énerver. La seule chose, c'est que le Jacquerie est un fin gourmet et que par exemple, il lui faut toujours sa machine à café, la machine à café de Georges Clounet, pas loin. Rien d'autre. Ça, c'est le seul caprice que je peux lui connaître. Le Jacquerie n'est pas sportif. À la limite, il peut être sportiveux, mais sportif, non, je crois pas. Bien qu'il aime le foot, j'aimerais qu'il y ait une suite à ce roman. C'est pour ça que je vous dis que c'est un roman inachevé, parce que je n'arrivais pas à mettre le mot fin. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, pardon. C'est ce qu'on disait. Merde, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah non, on a applaudi bêtement, donc on n'a pas entendu la fin. C'est quoi la chute? On saura un jour. Je ne me souviens plus exactement de sa formule, mais c'était pour dire je vais essayer de finir. Elle disait qu'on adorait les Jacqueries, ce fameux surnom d'ailleurs, qui va vous coller à la peau. Une réaction à ce qu'a dit, sauf à la fin. Non, génial comme tout, je trouve. Oui, bah ouais, oui. Et puis on l'adore, on aime beaucoup Léa. Et elle est formidable dans le film. Ah, oui. Ouais, c'est une actrice formidable. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Elle sait faire. Mais enfin, moi, je trouve qu'ils sont tous. Ouais. Alors, voilà. Il y a une sacrée bande. Oui. D'accord. Sportive et pas sportif, donc. Jacquerie, ça, on a bien compris, ça. C'est du sport, toi. Ouais. Ah ouais. C'est l'heure du live.